Mais comme tu n'en crois pas. Francis Bongo, bonjour, 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 bonjour la famille. J'espère que ça va bien. La joue est en cours, Maître Zoku. Bonjour, j'espère que vous allez bien. J'espère que tout se passe bien chez vous. Ici, chez moi, ça va très bien. Tout se passe très bien. Vraiment, la nature créatrice est... La... Comment je dis ça? J'ai toujours ma formule et puis aujourd'hui, tout d'un coup, je suis embrouillé. L'énergie créatrice de tout, voilà, est bonne, est bien avec nous, avec moi. Maître Zoku, est-ce que tu m'entends? Oui, Ok, d'accord. Merci. Alors, j'espère que tout le monde va bien. Tu vois combien il y a de personnes qui sont connectées? sur mon écran, c'est indiqué 4 personnes. Moi, je ne vois personne, rien du tout. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, que mon compteur continue par contre. Il est encore à 3 minutes maintenant, mais je ne vois rien en termes de personnes qui sont connectées. Et les commentaires, je crois que j'en ai vu qu'un seul de Francis Bongo. Voilà. Alors, je vais vous demander de mettre des cœurs, de mettre des likes et de partager la vidéo. Pour ceux qui peuvent voir la vidéo, dis bonjour mon frère, comment tu vas la famille? Merci d'être là. Aujourd'hui, c'est un live qui va être très intéressant. Aujourd'hui, franchement, ce live va être très intéressant parce que nous avons tendance en Afrique, en Côte d'Ivoire surtout, Serge Toumou, bonjour mon frère, comment tu vas? On a tendance à croire ce que les gens ont mis dans nos têtes là. C'est-à-dire que le président du pays, celui qui doit présider à notre destinée, celui qui doit signer les papiers, celui qui doit être devant, ça doit être quelqu'un forcément qui est un grand économiste, quelqu'un qui connaît papier jusqu'à... Forcément, ça doit être quelqu'un qui est très, très fort à ce niveau-là. Aujourd'hui, dans ce live, on va... Merci pour les cœurs, Guy Zézé. Là, je t'ai vu. Merci, 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 merci. Aujourd'hui, on va vous montrer hein, par A plus B, à travers l'analyse de notre frère Metzoku, avec des faits précis, des faits précis, des noms, des pays, avec tout, que l'image qu'on nous a montrée des présidents et consorts là, c'est pas forcément ça. Il y a des gens, mais vraiment tellement normaux, qui sont comme Monsieur Tout-le-Monde, qui peuvent faire le travail de président encore mieux que ces fameux diplômés d'école de je sais pas quoi, enfin, le même genre dont on parle tous les jours là. Pour pouvoir être président, il faut être comme ça. Il faut sortir des grandes écoles, il faut sortir des grands lobbying, bien, il faut avoir vraiment des gens dans le monde entier avec toi, sinon tu peux pas. Ce n'est pas vrai, c'est faux. Donc aujourd'hui, je reçois Maître Zoku, pas en tant que modérateur, mais en tant qu'invité spécial, pour qu'il puisse nous expliquer, nous éclairer, nous montrer par A plus B que ce qui est dit par rapport au profil des présidentiables, des personnes qui sont présidentiables, vous ferez mieux de regarder parmi vous qui peut faire le job, au lieu de chercher les Jésus, les messianiques, les personnes messianiques là. Vaut mieux regarder parmi vous quelles sont les personnes qui ont déjà au minimum un petit sens du patriotisme, un petit sens de l'amour envers le prochain, un sens de la justice, un sens de la droiture, un sens de l'équité, un sens un minimum d'empathie envers ceux qui sont plus faibles que lui ou bien elle. Les gens qui sont simples autour de vous, commencez à regarder. Parce que c'est un problème de mentalité, hein. Ce qui est en train de nous arriver. C'est parce que les gens nous ont mis dans une façon de penser que ça fonctionne toujours dans leur sens et ça marche toujours avec eux. Et dans leur façon, la manière dont ils font les choses, là, tout fonctionne pour eux parce qu'on est pris dans le piège à chaque fois, on les suit comme des moutons et puis à chaque fois on a le même résultat. On est dans le trou. Donc cette fois-ci, on va essayer d'éclairer un peu plus nos lanternes, on va essayer de mieux comprendre les choses et puis on va avancer tout le monde. Surtout comprendre et partager le message.
Alors, Maître Zoko a été coupé par un appel, je crois. On va attendre. On va attendre que, il revienne et puis on va pouvoir commencer le live. Donc, je vais profiter pour saluer ceux qui sont là actuellement. Ourala Déby, bonjour. Solange Troya, bonjour. Francis Bongo, je l'ai salué tout à l'heure. Merci pour les cœurs. Merci pour les cœurs, Ourala Déby. Ah ouais, là, je vois qui met les cœurs. Je vois que aussi qui a partagé le live. C'est très gentil. Vraiment, merci beaucoup. Et le but du jeu, je dirais, c'est de partager les pensées pour faire changer les mentalités. C'est important parce que les gens sont en train de se préparer actuellement pour refaire tomber encore le peuple dans le même schéma politique, dans le même schéma électoral, dans les mêmes bêtises d'avant là, pour retrouver le même résultat aujourd'hui. Alors, on doit faire très attention, on doit être plus averti et on doit faire en sorte que les gens maintenant prennent plus de mal à essayer de nous blaguer. Voilà. Alors, j'attends le retour de Maître Zoku. Là, je vois quelqu'un qui s'est connecté. Bonjour. Bonjour, grand frère. Comment ça va, mon frère? Oui, ça va très bien. Vas-y. Oui, on dit, ça va. En fait, le sujet de l'État m'a intéressé un peu. Ah, ça m'a plu. Je voulais donner un peu mon point de vue sur le sujet. Oui, justement, en attendant que Mezoko arrive, alors tu peux t'exprimer, alors on t'écoute. Voilà, je ne serai pas trop long. Oui. Au fait, effectivement, ce que vous avez dit, vous avez raison. Parce que les gens ont tendance à penser que c'est quand la personne est économiste ou bien il est riche qu'il peut être un bon président. Or, moi, avec mes analyses, je vois que un bon président, actuellement en Afrique, en Côte d'Ivoire, nous, en Afrique, nous avons besoin des présidents qui sont plus patriotes. Parce que ceux qui viennent, qui ont de l'argent, je prends un exemple, il y a un tout dernièrement qui est passé à la télé là. Ah, tiens. Bon, quelqu'un qui fait des affaires. Ouais, quelqu'un qui fait des affaires, qui est un multinational. Bon, quand il sera président là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va pousser toutes ses affaires. Désolé. Il va pousser toutes ses affaires. Donc, ça sera toujours la même chose. Or, aujourd'hui, nous avons besoin d'un président, une personne qui peut vraiment baser sa, comment appelle son programme sur comment on appelle ça, l'autosuffisance alimentaire. Oui, les besoins des populations d'abord. Voilà, les besoins des populations d'abord. Sinon, en ce qui concerne les infrastructures, ce n'est pas mauvais. Bon, moi, j'ai été dans un village une fois, dans les années 98 jusqu'en 2000 et quelques. Le village s'est développé comment? Le village n'avait pas besoin d'un cadre pour venir se développer. Eux-mêmes là, comme le village, les villageois, eux-mêmes, ils se débrouillaient, ils avaient des activités. Quand j'ai eu les agents, eux-mêmes, ils ont électrifié les villages. Bon, si c'est un président qui doit, c'est pas forcément qu'un président ou bien un truc qui doit. La population, lorsqu'elle a de l'argent, moi je pense que la population, lorsqu'elle se suffit, elle-même, elle peut poser des actes qui peuvent aider même un gouvernement. Oui, mais, bon. Mais par exemple, attends, tu as dit quelque chose, je vais te poser la question. Mais la population qui a de l'argent et qui se suffit et qui peut poser des actes qui vont aller dans le sens du gouvernement. Mais le gouvernement, en fait, il est payé pour quoi alors? Non, quand je dis que le truc d'abord, quand je dis que le gouvernement, je suis d'accord que le gouvernement doit travailler, je suis d'accord. Mais je prends un exemple. Je suis dans un quartier. Par rapport à la politique du gouvernemental de mon pays, j'arrive à m'en sortir. Je peux me construire une bonne maison. Ma famille peut manger à l'aise, je peux m'invertir. En tout cas, j'ai mes charges, je peux subvenir à mes charges et puis avoir des économies. Mais si je vois que la route est un peu dégradée devant chez moi, avant même que la mairie ne vienne, moi, je vais déblayer parce que ça va. Mais même si la mairie vient déblayer que ça ne va pas, je pense qu'il n'y a rien. C'est comme si on n'a rien fait, quoi. Donc, moi, je suis pour un président qui vient pour qui d'abord a un programme de gouvernement sur le développement de la population elle-même d'abord avant de pouvoir penser à faire tu sinon les multinationales qui viennent elles vont toujours travailler ça sera toujours dans les mêmes choses.
Et actuellement, là, moi, sincèrement dit, quand je regarde, là, je ne vois même pas. Je ne sais pas, peut-être que je me trompe, mais je ne vois pas encore quelqu'un encore du voile qui peut, actuellement. Dans la nouvelle génération. Hein. Voilà, dans la nouvelle génération, je ne vois pas trop. Toi-même, toi, c'est mon point de vue. Toi-même qui parles. Pardon? Toi-même qui parles, non. Je ne te vois pas. Oui? Non, non, je ne suis pas. Je ne suis pas possible. Je ne suis pas de. Hein? Moi, je préfère être en N1 sur un lambda, comme ça, c'est mieux. Mais pourquoi? Dis-moi pourquoi, parce que c'est intéressant. Non, en fait, non, non, au fait, y a, c'est comme quand on est dans un endroit, il y a des personnes qui aspirent à être. Qui ont cette vocation-là. Mm-hmm. Et qui aspirent. Maintenant, bon, il y a des personnes aussi qui peuvent être là. En tant que citoyen, on peut poser d'autres. S'il y a des moyens ou bien s'il y a des choses, on peut poser des actes au moins un peu tu, en tant que citoyen du pays, mais, non, mais pour, pas forcément être président. Pourquoi toi, tu ne te vois pas pour toi-même, c'est impossible dans ta tête de te voir en quelqu'un qui prend des décisions pour un pays. Pourquoi? Bon, au fait. Je ne sais pas, mais je n'ai pas. En fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. Tu as parlé de l'autosuffisance alimentaire. Oui, oui. Tu as parlé de l'autosuffisance alimentaire. Mais. Oui, oui. Pourquoi tu parles de ça? Non, parce que je suis un citoyen lambda. Je connais le problème de mon pays. Je sais ce qui se passe. C'est vrai qu'il y a ce que les gens montrent sur les médias, mais il y a aussi ce qui se passe sur le terrain, d'autres qui sont dans les quartiers populaires, dans les trucs. Mais tu as compris le besoin de ta population, d'accord? Oui, oui, oui. Tu as compris le besoin de ta population. Maintenant, pourquoi toi, tu ne peux pas, en tant que citoyen, être non. quelqu'un qui va aller au plus haut degré de l'État pour dire que voilà les problèmes qu'on doit régler, voilà, voilà. Et puis maintenant, tu confies ça à quelqu'un qui connaît, qui maîtrise le travail. Pourquoi pas? Bon, au fait, moi, je me dis, selon moi, mm-hmm. selon moi, je me dis que y a des personnes qui sont, bon, pour parler en termes de façon naturelle, il y a des personnes qui ont ce charisme-là. Non! Et, voilà pourquoi ils ont des conseils. Voilà. Ce maintenant, que tu dis là, maintenant, ça a rapport avec le live d'aujourd'hui, ça a rapport avec le travail que Maître Zoukou va faire tout à l'heure. C'est vraiment, oui. Je te jure, ça tombe pile poil dessus. Et je suis tellement content parce qu'il va dérouler, en fait, clairement, avec des faits, des choses qui vont faire prouver que toi-même, en tant que citoyen, tu peux faire le barrage aussi. Il n'y a pas quelqu'un qui est né avec. On a mis onction de président sur lui. Non, c'est n'importe oui. qui a la volonté de faire en sorte oui. que le peuple soit bien. C'est ça là qui fait les gens n'ont pas imprimé dans leur tête. Dans leur tête, ils pensent que c'est celui qui a fait de grosses études, celui oui. qui a le charisme, celui qui est beau, qui est riche, celui qui a l'argent, celui qui a les grands carnets d'adresses à l'extérieur, celui qui est... C'est ça qui est dans la tête des gens pour eux. C'est cela. Du coup, quand ils pensent comme ça, le voisin oui. de chez toi, par exemple, ton voisin ou bien ta voisine, eux, oui. ils ne sont pas dans la caricature que je viens de faire. Eux, ils ne pourront jamais gouverner le pays. Quoi. Tu vois, ouais. même pas des gens qui peuvent faire le travail. Hein. Et ça, c'est l'introduction du live d'aujourd'hui. Et je te remercie d'avoir appelé parce que ça va me permettre d'introduire maintenant Maître Zoukou. Il va maintenant nous parler du sujet du jour. Je te remercie. C'est ça. Merci. Ok, merci beaucoup. Merci, bonne journée. On est ensemble. Ok, merci. Maître Zoukou. Oui. Tu as vu un peu comment un citoyen lambda se voit lui-même alors qu'il a, il a l'amour pour son pays, il connaît les besoins des gens, il est intelligent, il connaît, il voit les choses. Mais seulement lui-même, il n'imagine même pas que lui-même, il peut prendre... C'est-à-dire la confiance en soi. La confiance en soi. Le fait que pour arriver à un poste de décision, on n'a pas besoin d'être dans une caricature spécifique ou bien spéciale des grands types qui a 300 millions dans ton compte en banque, comme M. Ouattara disait, 200 millions, celui qui est...
un candidat qui n'a pas 200 millions dans son compte n'est pas un candidat crédible. Monsieur Ouattara l'a dit. Monsieur Ouattara l'a dit. Ça m'a offusqué. Ça m'a choqué d'entendre des... C'est une ineptie pour moi. Donc, pour avoir... Donc, le voleur qui a 1 milliard dans son compte, il peut être président, il peut être candidat tant qu'on ne l'a pas attrapé. C'est ça, c'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. On ne parle même pas de l'éthique, on ne parle même pas des valeurs, on parle des acquis. Et c'est grave. Donc, voilà un peu l'introduction du jour. Je te laisse maintenant développer le sujet du jour. Oui. Et puis, j'espère qu'on aura des invités qui vont pouvoir donner leur point de vue. D'accord. Mais là, je note déjà que tu as déjà modifié le thème. Parce que quand on parlait, il était dit que c'était là pour le prolongement de la première vidéo qui avait pour thème la nuance entre l'instruction et l'intelligence. Mm-hmm. C'est ce qu'on avait dit. Oui, Maître Zoku, mais comme tu es bété, qui aime parler là, qui est rancunier là, pardon, c'est parce que j'avais oublié moi-même de remettre le truc que j'ai mis un thème comme ça. Pour aller. Maintenant que tu viens, tu es en train de faire le live, rectifie puis on avance. Ah d'accord. Non, parce que si tu veux, quand tu mets un thème là, il y a une orientation. Je donne l'exemple. Mm-hmm. L'exemple de Dimi Ofa dont tu as parlé. Oui. Dimi Ofa qui est un syndicaliste. Mm-hmm. Tu vois, son exemple ne peut plus être intégré dans ce thème puisqu'on parle maintenant d'être économiste. Faut-il être économiste pour être président? Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, je vois. L'exemple de Général Diap, ça ne peut plus rentrer dans ce cadre-là. Si ça peut, explique. Maintenant, tu as corrigé, ne te base pas sur le titre. Continue, développe. D'accord. Donc, vraiment, merci à tous ceux qui viennent de se connecter. En fait, la causerie de ce soir-là, c'est relié au débat qui fait la nuance entre l'intelligence et puis l'instruction. On peut relier ce thème que vous voyez là en commentaire du direct. On peut le relier au débat qui est relatif à la différence entre l'intelligence et l'instruction. Voilà. Bon. Donc, depuis quelque temps, face à la situation économique de nos pays, il arrive que on nous vante le mérite de personnages qualifiés en économie, des gens diplômés, instruits, qui apparemment, selon les discours de certaines personnes, seraient les seuls aptes à avoir les compétences pour redresser l'économie. Donc là, dans ce débat-là, qui parle du relèvement de nos économies en difficulté, on nous présente des gens qui seraient les plus à même de redresser notre économie, vu leur parcours académique, vu leur palmarès, vu leur CV à l'international. Donc, on fait la promotion de la compétence en fonction du diplôme et en fonction des performances acquises professionnellement. Donc, on nous parle là de gens instruits et diplômés. Voilà. Donc, ça nous amène à nous poser la question à savoir, est-ce que quelqu'un qui est instruit et diplômé, est-ce qu'il est forcément intelligent? Ou alors, est-ce que pour montrer qu'on est intelligent, il faut alors être diplômé ou instruit pour montrer qu'on est intelligent. Donc, quel est le lien entre le diplôme, l'instruction et l'intelligence? Donc, voilà le débat qu'on avait lancé dans une première vidéo. Et cette vidéo actuelle se veut le prolongement de cette première vidéo-là. Dans la première vidéo, on avait parlé de la définition de l'intelligence et on avait aussi parlé de la définition de l'instruction. Petit à petit, on va en venir à ce qui concerne les économistes qui sont censés être les plus qualifiés pour redresser nos pays. On va y arriver petit à petit. Comme Bois Kouassi m'a dit tranquillement de ne pas tenir compte du titre et de faire le prolongement entre la première vidéo et cette vidéo. Pour rappel, pour ceux qui ne nous ont pas suivis, on a dit que l'intelligence, elle se présente par rapport à certaines caractéristiques données. L'intelligence, ça s'évalue
je peux le dire, à trois niveaux. La capacité d'apprendre, la capacité de comprendre et la capacité de trouver des solutions. Globalement, c'est un peu ça. Les définitions varient, hein, mais on peut accepter cette définition-là. L'intelligence, la faculté plus ou moins facile d'apprendre, de comprendre et de trouver des solutions aux situations et aux problèmes. Voilà. Quant à l'instruction, elle est uniquement liée à la capacité d'apprendre, d'accumuler des connaissances. Voilà, c'est le niveau d'accumulation de connaissances. C'est ça qui fait surtout l'instruction. Voilà, donc, ça nous amène à dire que quelqu'un peut être instruit, mais ne pas pouvoir faire montre d'une intelligence dans un contexte donné. Parce que aussi, l'instruction et l'intelligence, ce n'est pas des notions figées, ça s'apprécie aussi en fonction du contexte. Voilà. Donc, un paysan, dans son domaine qui est le travail de la terre, il peut être très instruit. Il connaît les différentes variétés de plantes, il connaît les différentes catégories de terre, il connaît les différentes catégories d'insectes qui agissent sur la production, les catégories de fumier. Sans avoir de connaissances livresques, il peut être très instruit dans son domaine-là d'activité. Voilà. Bon, on peut sortir du domaine de l'agriculture. Quelqu'un peut être très instruit en informatique. Il a fait de hautes études. Donc, bon, intelligence et instruction, ça varie aussi en fonction du contexte précis. Voilà, je ne sais pas si Boakwasi, tu as déjà quelque chose à dire au niveau de ces essais de définition. C'est nickel. On n'a pas besoin de revenir dessus. De toute façon, on a tout dit dans la première vidéo. Hein. Voilà. Ceux qui voudront avoir des informations dessus, vous allez sur la page, vous prenez la première vidéo sur l'intelligence, la différence entre l'intelligence et l'instruction, et puis ils seront édifiés. Bon, maintenant, pour revenir au cas précis dont tu parles, à savoir, est-ce qu'il faut vraiment être économiste pour diriger nos États, comme on l'a dit, pas économiste, il faut vraiment être un érudit, un gars qui a fait de grandes études. Voilà. Et qui est riche surtout. Voilà. Donc là, je vais essayer de revenir et consulter et comment on appelle le titre. Parlons-en avec des faits. On n'a pas besoin d'être économiste pour être un bon président. Voilà. Pourquoi tu parles d'économiste? Parce que on parle des gens qui vont venir redresser l'économie. C'est en ce sens, je suppose, hein, que tu dis qu'on n'a pas forcément besoin d'être économiste pour être un bon président. On peut être d'accord avec cette affirmation-là. On peut être d'accord avec cette affirmation. Voilà. Celui qui a des compétences, qui a une formation en économie comme Koulibaly Mamadou, on peut lui accorder le crédit, la capacité de venir redresser l'économie. Il n'y a pas de problème. Mais au-delà de ça, même à celui qui n'a pas fait d'études d'économie, on peut aussi accorder une confiance pour redresser une économie. Voilà pourquoi je dis on peut être d'accord avec ce que Boakwasi a dit dans le titre. Si on a affaire à un économiste formé qui a fait ses preuves, c'est bon, mais si on n'a pas affaire à un économiste, il ne faut pas qu'on dise que comme il n'est pas économiste, comme il n'a pas de grand diplôme en économie, comme il n'a pas travaillé dans des structures influentes économiques, alors il n'est pas capable. Ça serait une erreur. Et je crois que c'est ce que Boakwasi est en train de nous dire. Voilà. Donc déjà, voilà ce que je peux dire brièvement d'entrée. Peut-être que tu peux faire un premier commentaire pour aligner, pour alimenter un peu cette première entrée que j'ai faite. Comme on n'est pas économiste, voilà, certains pensent comme il n'est pas économiste, comme il n'est pas diplômé, on ne peut pas lui faire confiance. Voilà déjà, qu'est-ce que tu peux dire pour contrecarrer ça brièvement avant que je ne rebondisse? Non, je ne veux pas contrecarrer ce que tu as dit. Je vais aller plutôt dans le sens, je vais abonder dans ton sens en disant que, par exemple, pour faire de la politique,
c'est-à-dire la science qui gère les affaires du public, les affaires des populations. On n'a pas besoin d'être spécialiste en forcément économie ou bien en astronomie ou bien en géo, je sais pas moi, en géologie ou bien en être ingénieur de ceci. On n'a pas forcément besoin d'avoir une qualification bien précise. Ouais. On a juste besoin d'avoir un sens, un bon sens. Un bon sens, surtout le sens de l'équité, surtout le sens de la justice pour que, et l'empathie. Pour que ceux qui n'ont pas les moyens de vivre décemment, correctement, puissent avoir au moins à égalité de chance avec tous les autres les mêmes outils pour pouvoir transformer leur vie. Donc, pour être la personne qui va décider de ça à la tête d'un groupe, d'une société ou bien d'un pays, ben, on a juste besoin de quelqu'un qui a cette vertu naturelle, cette vertu humaine, ce sens humain là du partage, de l'égalité, de la justice. Ça, c'est le premier élément qu'il faut avoir. Maintenant, si tu as une spécialité dans quelque chose, ton domaine, en ce qui concerne les besoins du pays ou bien des populations, tu pourras apporter ton expertise dans ce domaine-là, mais ça ne fait pas forcément de toi quelqu'un qui a cette empathie, quelqu'un qui a cette vision, quelqu'un qui a cette faculté de pouvoir faire en sorte que tout le monde soit servi de la même façon. Voilà la nuance et voilà la différence. Parce qu'il y a des gens qui vont, par exemple, aller partout dans le monde faire de grandes études et avoir des relations internationales avec des gens partout, connaître tout, être dans tous les lobbies, dans tous les grands trucs des gens, puis revenir dans son pays et puis proposer ses services. Mais cette personne n'aura peut-être aucune empathie pour les gens, aucun sentiment d'urgence par rapport aux problèmes des gens, par exemple, qui souffrent, qui sont dans la galère. Mais la personne connaît, par exemple, son travail. Je sais pas moi, si c'est un astronaute, il connaît les choses des cosmonautes et tout ça là, de la NASA, de tout ça, parce qu'il a été dans le monde. Mais en ce qui concerne les besoins des gens qui sont dans les champs de Niam, dans la NACAD, dans l'EVA, dans toutes ces choses là, le gars ne connaît rien de tout ça. Le gars ne sait pas vraiment quels sont les problèmes des gens, comment on va faire pour que tout le monde ait les mêmes chances, les mêmes égalités sur le plan social, par exemple. Donc, je suis tout à fait d'accord avec toi, hein, qu'il n'y a pas besoin d'être spécialiste dans quelque chose, à part le fait d'avoir cette vertu-là, de ressentir le besoin des populations et de ressentir l'urgence de régler ces problèmes-là avec, autour de soi, des gens qualifiés pour. Donc aujourd'hui, le live, tu vas nous donner des exemples de personnes qui n'ont pas fait des études spécifiques de ceci ou bien de cela pour diriger des études, pour diriger un pays, mais qui ont, avec leur petit truc qu'ils ont eu là, ils ont dirigé de grandes nations, ils ont changé le cours de l'histoire dans leur pays et de façon vraiment spectaculaire. Donc, le live aujourd'hui, c'est pour que tu cites ces noms, pour que les gens aillent voir eux-mêmes de façon factuelle, vérifier que ce qu'on dit, ce n'est pas des bêtises, et qu'ils puissent maintenant eux-mêmes aussi se rendre compte que, ah ouais, ah d'accord, ok. Donc, mon voisin, il peut être président. Ma voisine, elle peut être présidente. Oui. Ou bien mon chef de service au boulot, ou bien mon collègue, machin truc, bien tout, parce que les vertus qu'on voit à travers ces personnes qu'on va citer, ben, les gens-là les ont aussi. Oui. Donc, parce que je pouvais dire oui. Par rapport à... Tout à fait. Bon, excuse-moi, quand je t'ai dit, oui, il faut donner un exemple pour contrecarrer, c'était un lapsus. Je voulais dire un exemple pour peut-être appuyer. Donc, qu'est-ce qu'on retient de ta prise de parole? Tu as relevé le fait que pour occuper certaines fonctions importantes, certaines fonctions où on est en charge des conditions de vie de toute une population, on n'a pas forcément besoin d'avoir de grands diplômes. Je donne un exemple, par exemple, en sciences politiques, pour venir être un homme politique compétent, un homme politique impactant, ce n'est pas nécessaire que on ait de grands diplômes forcément en sciences politiques. Tu as relevé le fait que, au-delà même de ça, il faut avoir la volonté, il faut avoir la détermination, il faut être porteur d'un idéal, il faut être épris de valeurs. Et c'est ces
valeurs là qui nous imprègnent et qui nous poussent à vouloir œuvrer pour un idéal, c'est ça qui est le critère déterminant, selon ce que tu viens de dire. Effectivement, on peut t'appuyer. Donc, on revient là-dessus, on insiste, c'est important. Pour être un bon leader, pour être un bon président, pour diriger la nation, il faut d'abord avoir des valeurs, il faut être habité par un idéal. Maintenant, cet idéal-là, on peut le décliner en des petites variations en fonction du contexte. Voilà. Quand Mugabe, il mène sa lutte, la première des choses, c'est de libérer son pays. Voilà. Donc, lui, son idéal, c'est défaire le lien colonial qui assujettissait les Zimbabwéens, qu'on appelait Rhodésie du Sud. Mm-hmm. Quand Mao, il prend la tête de son parti pour venir à la tête de la Chine, dans les conditions de son époque, là, il fallait faire atteindre un objectif précis en fonction de la condition que son peuple vivait. Donc, pour devenir ce qu'on dit, il faut être porteur d'un idéal et puis il faut être animé du souci, comme il parlait d'empathie. Il faut être touché par les souffrances. Il faut venir avec l'idée de venir améliorer la condition d'un peuple, d'une population, d'une nation. Donc là, c'est l'un des éléments importants. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire? Il faut, comme l'a dit Boy Kwasi, utiliser le bon sens. Parce que jusqu'à ce qu'on ait 50 ans, 60 ans, on a eu le temps d'observer la vie et de la lire. On lit la vie et on tire les enseignements des expériences qu'on a vécues. C'est ainsi que je prends l'exemple de Mao Zedong, qui a marqué, qui a formaté l'esprit du Chinois. Et jusqu'aujourd'hui, il y a la marque de Mao dans la façon dont les Chinois se conduisent. Mais Mao, quand on prend son exemple, ce n'était qu'un instituteur. Répète, s'il te plaît. Mao n'était qu'un instituteur. Ça veut dire que son cursus scolaire, ça n'arrive pas dans les études supérieures. Ça n'arrive pas à l'université. C'était un instituteur. Excuse-moi. Est-ce que quelqu'un peut écrire « Mao était un instituteur » Parce que le live, il va rester. Les commentaires aussi. Il faut que des fois, il y a des gens qui viennent et puis ils regardent les commentaires. Et en fonction de ça, ils vont apprendre quelque chose. Mao Tse-Tung était un instituteur. Est-ce que quelqu'un qui suit la vidéo peut écrire ça pour nous aider quoi, à implémenter ce qui est dit? Vas-y, continue, s'il te plaît. Donc, mais avec son bon sens, avec son intelligence de la vie, il a conçu une vision, une idéologie qui a été consignée dans un livre, le livre rouge de Mao. Et c'est ce livre-là qui indique la direction à suivre pour faire sortir la Chine de la condition dans laquelle elle était alors. Donc Mao, bien que n'étant pas bardé de diplôme, c'est lui l'artisan de la révolution chinoise. La révolution chinoise de 1949, qui a tracé les grandes lignes de ce que la Chine est aujourd'hui. Bien sûr, il a des successeurs qui ont aussi apporté leur touche. Voilà un exemple de quelqu'un qui était animé par l'amour de son peuple, l'amour d'un idéal, mais qui n'était pas porté par un grand CV sur le plan intellectuel, mais qui a fait quelque chose qui est resté dans l'histoire. Voilà un exemple qu'on peut prendre. Mm-hmm. Aux États-Unis, il y a le cas de Ronald Reagan qui est arrivé au pouvoir et qui a réussi à se faire réélire. Mm-hmm. Aux États-Unis, quelqu'un qui arrive au pouvoir et qui se fait réélire, globalement, on peut dire que il a été assez convaincant parce qu'il vient, il fait un premier mandat et il arrive à se faire réélire. Mm-hmm. Généralement, avant qu'il fasse son mandat, il était quoi? Il faisait quoi, Ronald Reagan? Voilà. Donc, Ronald Reagan, c'était un acteur de cinéma. Mais d'accord. C'était un acteur de série B, il me semble. Je veux dire qu'il n'était pas au niveau des grandes stars du cinéma, comme Clark Gable ou bien
et comme Paul Newman. Oui. L'industrie cinématographique, elle est répartie par grade. Mm-hmm. Voilà, il y a des films de série A, de série B. Toi-même, tu connais mieux ce domaine-là. Il me semble que quand on parle de série B, c'est le niveau un peu en dessous. Ce n'est pas la crème, il me semble. Ou bien je me trompe. Oui, série B, c'est les scénarios un peu bidons, où on sait déjà comment ça commence, comment ça finit. Voilà, il n'y a pas de suspense vraiment pour dire que oui, ça va tenir en haleine. C'est juste un film bon, pour se distraire. Voilà, voilà. Ça, les séries B. Ce n'était pas un acteur qu'on pouvait classer dans la catégorie des mégastars. Mmh. Mmh. Voilà. Après cela, il a été dans le... Il était syndicaliste. Dans le milieu... Comment je peux dire ça? Il a été dans le domaine des producteurs de films, là. Mmh. Voilà. Il a dirigé des syndicats de producteurs de cinéma. Voilà. Mmh. Voilà, comme ça. Et puis, petit à petit, on l'a pris comme, si tu veux, il a aussi travaillé dans les relations publiques. Il était agent, voilà, la société qui fournissait l'électricité l'avait engagé pour diriger certaines campagnes de relations publiques à l'endroit des téléspectateurs et tout. En tant qu'acteur, tout ça donnait des points. C'est pas quelqu'un qui a fait de hautes études. Mm-hmm. Voilà. Mais par sa compréhension des situations, c'est-à-dire, il était à une époque où il y avait la guerre froide et le grand rival, c'était l'ennemi russe et l'ennemi, c'était le communiste. Voilà. Dans ce contexte-là d'affrontement Est-Ouest, d'affrontement capitalisme-communisme, il avait une intelligence des situations pour se positionner comme celui-là qui est le cheval idéal pour combattre le communisme. Il a fait sa campagne, il a été élu, il a attiré vers lui les financiers, il a été élu et il a pu se faire réélire. Et globalement, selon les sondages d'opinion, son passage à la Maison-Blanche a été apprécié. Mais il n'a pas fait de hautes études. Voilà quelqu'un qui avait l'intelligence des situations, qui avait su apporter les réponses qu'il fallait à cette époque précise-là, à la population américaine. Donc, déjà, dans un premier temps, on peut dire que celui qui a les aptitudes pour être président, c'est celui qui, dans un contexte précis, il apporte les meilleures réponses. Voilà. Du moment. Les réponses appropriées. Voilà. Les réponses à la situation qui se présente. C'est le lien qu'on a fait avec la définition de l'intelligence. C'est la capacité à trouver les meilleures solutions aux situations qui se présentent, la capacité à pouvoir s'adapter. Voilà ce que je peux dire de l'exemple de Ronald Reagan. Peut-être que toi aussi, tu as d'autres exemples de gens qui sont venus animés de forts sentiments patriotiques et puis animés d'un bon sens qu'ils ont mis à l'œuvre pour proposer des solutions qui ont résolu les conditions des populations. Peut-être qu'aussi tu peux avoir d'autres exemples. Voilà. Je peux donner un exemple comme ça par hasard. Hein. En Pologne, il y a eu un homme qu'on appelle Lech Walesa. Lech Walesa est un soudeur, je crois, dans les usines en Pologne. Oui. Et il a fait du syndicalisme. Et les syndicats qu'il a dirigés ont changé la vie de beaucoup de Polonais au niveau des entreprises. Parce qu'en Pologne, c'était l'endroit où, par exemple, toutes les grandes puissances de l'Europe délocalisaient leurs entreprises pour aller faire travailler les Polonais qu'on payait moins cher, qui étaient qualifiés, mais qu'on payait moins cher. Donc, Lech Walesa, lui, avec son empathie pour les travailleurs, pour les camarades avec qui il était dans les usines, il a changé la situation des gens en faisant en sorte qu'avec la grève, par exemple, ils ont bloqué le système de l'industrie polonaise, c'est-à-dire que, et ça a bloqué même l'Europe à un moment donné parce que les gars ne faisaient plus ce dont les gens avaient besoin, ils avaient bloqué parce qu'il fallait changer leur situation. Et finalement, la pression de ces grèves-là ont fait que les patrons ont commencé à lâcher le blé, ils ont commencé à améliorer la situation des ouvriers et les ouvriers ont amélioré leur vie. Et du coup, les gens ont dit, mais si au niveau des usines et tout ça, là, le gars a amélioré nos vies à travers
sa direction, son aura, son accompagnement, à travers vraiment ces encouragements et tout ça, puis ces lumières en nous éclairant, parce que c'est les gars, la plupart du temps, c'est les gars qui ne connaissent pas beaucoup les choses. Lui, il connaissait certains, parce qu'il s'instruisait aussi quand même un peu. Ben, le monsieur, ils ont dit, mais pourquoi pas la présidence? Lui-même, il n'y croyait pas au départ. Il n'y croyait pas au départ. Mais les gars, les syndicats, les mouvements syndicaux étaient tellement forts, les gars étaient tellement nombreux, et les gars étaient tellement puissants, parce qu'ils se sont rendus compte que Dieu aussi, on ne travaille pas, il n'y a rien qui marche. Hein. Donc, par rapport à ça, nous, on a commencé maintenant à imposer notre façon de faire les choses. Mais ces ouvriers-là, ils vont à la maison, ils ont une femme, ils ont des enfants, ils ont des amis, ils ont des parents. Mais quand ils vont à la maison, mais ils parlent de Lech Walesa, ils parlent de ce que le gars a fait, et ils disent que le gars, il va se présenter à la présidente. Premier coup, jackpot, le gars a gagné même plus de loin, parce que tout le pays était avec lui. Un simple ouvrier. Et en plus, quand il arrive au pouvoir, il a changé la vie des... Avant, les Polonais, là, on les prenait comme les Roumains. Les Roumains en Europe, les Polonais, là, les gars, ils ne respectaient pas les Polonais. Aujourd'hui, la Pologne est devenue un pays quand même assez respectable en Europe, mais c'était sous l'impulsion de Lech Walesa qui a fait en sorte que ceux qui sont venus après lui, ils n'ont plus fait en sorte que le pays aille encore plus bas. Ils étaient obligés d'aller encore plus haut, de travailler encore mieux. Donc, il y a toujours quelqu'un qui donne l'impulsion à travers son travail. Et ceux qui viennent après maintenant sont obligés de respecter le cahier de charges, de faire en sorte que la population où ils sont actuellement là, tu ne peux pas venir faire moins que celui qui était là avant. Tu es obligé de faire plus. Et ainsi de suite. Donc, voilà à peu près un exemple concret de personne qui n'a pas eu bac plus 50, qui n'a pas 200 millions dans son compte en banque pour devenir un bon président pour son pays. Voilà. Oui. Vraiment, merci pour l'exemple de Lech Walesa. Et Lech Walesa, arrivé un moment, la Pologne communiste était dans un genre de marasme. Les conditions de vie des populations étaient compliquées et tout. Et il y avait, au niveau des populations, il y avait la frustration. Il y avait les revendications et lui, il était électricien, il était leader d'un syndicat. Mmh. Et comme c'était les plus nombreux, les syndicats, au-delà même de leurs revendications corporatistes, ils portaient aussi un peu la voix du peuple, parce qu'ils portaient au-delà même du simple syndicat, parce que ce qu'ils décriaient, ça s'étendait aussi à la plus grande partie de la population. Voilà. Mmh. Et comme Lech Walesa, c'était un grand orateur, et en défendant les conditions du travail des travailleurs, là, il était électricien sur un chantier, le chantier de Gans. Ses revendications, ça se transposait aussi aux conditions de vie de la population. Et il a mis les patronats à rude épreuve. Et il a secoué le système communiste avec cette oligarchie-là qui s'accaparait tout et le bas peuple était dans des conditions difficiles et facilement il a étendu ses revendications aux conditions globales de la population. La population s'est reconnue en lui. Voilà. Il était rassembleur, il a fédéré tous les mécontents avec un discours incisif, efficace, grand orateur. Et puis, bien sûr, il faut l'ajouter avec l'appui de Jean-Paul II, qui avait une autorité morale, spirituelle. Oui. Lech Walesa est l'un des artisans de la chute du communisme. Oui. Parce que la chute du communisme, l'affrontement entre Lech Walesa avec celui qui était à l'époque au pouvoir, le général Jaruzelski, mais oui. ça a été un fait marquant dans l'histoire. Ça a inspiré d'autres peuples à faire tomber les régimes communistes les régimes communistes autoritaires. Il pactisait avec l'URSS à l'époque. Avec il faisait l'URSS. Voilà. Donc, un simple électricien du chantier des gaz, il a mené une centrale syndicale. Il lui a donné une ampleur. Solidarité, c'était le syndicat. Oui. Solidarité, en polonais, Solidarnosc. Voilà. Solidarnosc. Et il a fait de ce syndicat-là une institution même, vraiment une structure qui avait du poids. Puissante, un parti politique même. Voilà, une organisation puissante dans le pays qui avait la force des partis politiques des pays, des démocraties occidentales.
force sociale sans grande instruction, avec son sens pratique, son sens, ses capacités de meneur d'homme, de motivateur, avec son intelligence, son bon sens. Et puis, avec ça, fort de ce qu'il a accompli, de ce qu'il a arraché comme concession au patronat, les gens ont vu que de là, il a pu porter les préoccupations du peuple, il a pu porter les revendications du peuple. Et naturellement, quand il s'est présenté à la campagne, il a su capitaliser les espoirs du peuple et il a été propulsé dans le fauteuil présidentiel. Voilà un exemple, quelqu'un d'intelligent qui sait manœuvrer, qui sait manœuvrer. Voilà. Souvent, nos anciens, là, souvent, ils disent aux enfants, toi, là, tu es fort à l'école, mais tu n'as pas l'intelligence du village. Souvent, ils disent, donc quand nos anciens disent, tu es fort à l'école, mais tu n'as pas l'intelligence du village, bon, il ne faut pas prendre cette expression-là au premier degré pour dire qu'il y a l'intelligence du village, c'est l'intelligence. Non, 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 c'est pour dire que quand ils disent intelligence du village, ça veut dire que l'intelligence, c'est-à-dire son raisonnement qu'il utilise là, ça ne marche pas dans la vie courante. L'intelligence, c'est ce que les anciens nous disent. Voilà, tu es fort en maths, tu comprends les théorèmes, mais l'intelligence pratique pour faire les travaux ordinaires, trouver les solutions aux situations ordinaires, là, tu ne nous demandes pas ton aptitude là. Donc, ils vont te dire, tu n'as pas l'intelligence du village. Mais ils ne parlent pas d'une aptitude qu'on va circonscrire au village, non. Ils parlent du bon sens courant, de la vie courante. Parce qu'on ne gère pas les problèmes de facture, on ne gère pas la résolution de conflits avec ses enfants, on ne gère pas son ménage avec les théorèmes de Pythagore. Ça, c'est le bon sens courant. Donc, il y a certaines personnes qui ont fait montre de ce bon sens-là. Quand je parle, celui qui a succédé à Kennedy, Lyndon B. Johnson, il a marqué les gens par son bon sens. Il avait l'air de quelqu'un qui faisait face aux situations. Aucune situation ne le surprenait. Et au moment où tout le monde ne sait quoi faire, lui, c'est comme s'il sait déjà comment réagir. Voilà. Et on disait qu'il était un pragmatique. Voilà, un pragmatique. Voilà. Bon, donc ça, c'est un exemple. On peut parler de Fidel Castro. Fidel Castro. Oui. Fidel Castro qui a fait tomber le dictateur Batista. Batista. Voilà quelqu'un qui est un avocat. Un avocat. C'était pas un chef militaire, c'était pas un militaire. Qui a mené une guérilla et qui a conduit cette guérilla-là à la victoire. Donc, avocat de formation, il s'engage dans la lutte armée et il prend le commandement d'une armée. Donc, on voit déjà son esprit d'adaptation. Tu vois, des cours de droit, il se réadapte au concept de stratégie militaire. Et ensuite, ayant gagné la guerre, il arrive au pouvoir. Là, il ne s'agit plus de guerre. Maintenant, il faut gouverner. Donc, vous voyez ça. Capacité d'adaptation, des notions de droit à la stratégie militaire, de la stratégie militaire à la gouvernance politique. Politique. Et globalement, il arrive à mettre en place une idéologie qui lui est propre. Il crée sa propre version du communisme, qui n'est pas une affiliation, qui n'est pas une affiliation systématique derrière les soviétiques. Il a créé sa propre branche, parce que quand on étudie les spécialistes, et la révolution cubaine, elle est à part. Elle n'a pas suivi le modèle maoïste, elle n'a pas suivi le modèle soviétique. Elle a fait un peu un brassage des deux, elle a créé un modèle qui lui est propre. Ouais. Et donc, jusqu'à aujourd'hui, on vante les mérites. C'est vrai que du temps de Cuba, on n'avait pas de grosses fortunes, on n'avait pas de grands gratte-ciel, mais le niveau de prise en charge sanitaire était très élevé. Jusqu'à aujourd'hui, il y a le mythe des médecins. Le meilleur au monde. Ils sont venus même donner un coup de main aux Italiens pendant la COVID. Il y a le système éducatif qui a fait ses preuves, donc on vend les mérites. Voilà. Donc, il a mis en place une idéologie, un projet de société. Il a conçu en tant qu'avocat. Les États-Unis, mais pour ajouter, malgré la puissance du voisin et l'embargo que le voisin et le reste du monde
ont mis sur Cuba, parce que beaucoup de gens, je vais dire que oui, Cuba, avec les révolutionnaires, ils n'ont pas développé le pays, ils n'ont pas fait ceci, ils n'ont pas fait cela. Beaucoup de gens qui sont dans le domaine, enfin, dans le camp de ceux qui nous combattent même en Afrique aujourd'hui, disent que oui, vous prenez Cuba comme exemple, mais Cuba n'est pas développé. Mais les gens, c'est-à-dire que c'est de la mauvaise foi, c'est de la méchanceté et c'est d'un cynisme qui ne dit pas son mot, parce que Cuba a été boycotté, a été étouffé par les États-Unis qui sont à 250 km de Cuba. 250 km de Cuba, c'est les États-Unis. Les gars ont verrouillé Cuba justement pour donner une leçon à tous les pays de l'Amérique du Sud. Là. Si vous n'êtes pas avec nous, vous êtes morts. Mais malgré ça, les gars, ils ont réussi à faire en sorte que les Cubains aient le minimum pour manger. Ils ont fait une politique d'autosuffisance alimentaire où la nourriture à Cuba, aujourd'hui, les experts du monde entier qui veulent faire du bio, là, ils sont venus se former à Cuba pour apprendre à faire pousser les plantes de façon biologique, sans les engrais bizarres, sans les trucs et tout ça. Les Cubains sont les meilleurs du monde pour le moment dans ça. Mais c'est pour vous dire que des fois, le blocus, l'embargo, là, ça te pousse à réfléchir autrement et ça te pousse à te replier sur toi-même et faire en sorte que toi-même, avec ce que tu as, tu puisses survivre. Parce que c'est une histoire de survie. Et dans leur survie, là, aujourd'hui, Cuba fait partie des must du monde entier en ce qui concerne, par exemple, la santé. Les Cubains sont un peuple parmi les peuples les mieux en santé du monde, dans tous les peuples du monde. Là. Quand tu prends la majorité des gens, ceux qui sont en bonne santé, qui se promènent, qui sont pires, c'est les Cubains en premier. Eux, ils n'ont pas de médicaments bizarres qui sont venus. Parce que ils ont fait tout eux-mêmes. Et grâce aussi à l'Union soviétique qui les a aidés quand même par rapport à certaines denrées, etc. Mais quand tu vas à Cuba, tu vas voir les voitures, les vieilles voitures américaines et machin, tout ça. Là. Les gars, ils n'ont pas eu de nouvelles voitures. Les gars, comme ils avaient tout bloqué là, ils étaient obligés de réapprendre à refabriquer, déformer, reformer, faire des nouveaux trucs, ou bien les chevaux. En tout cas, ils se sont arrangés de telle sorte que le blocus là ne les a pas empêchés de vivre. Mais c'est grâce à la vision, grâce à la direction, grâce à la direction, c'est ça, j'ai déjà dit le mot, non, direction de Fidel Castro, qui était un avocat, un simple avocat, qui est devenu chef militaire pour faire des plans stratégiques de bataille militaire, pour gagner la guerre contre des gars qui étaient déjà haut gradés dans l'armée, en plus qui étaient aidés par les Américains, et qui a encore défait même une horde de mercenaires qui ont attaqué l'île de Cuba, aidés par les Américains. Ils ont battu encore ces mercenaires-là sur le plan de la bataille militaire. Un avocat, hein. C'est pas un gars qui a été loin, qui a fait des études militaires. Mais les gars, ils ont réussi avec Che Guevara à faire partir les gens et à vivre tranquillement leur vie jusqu'à aujourd'hui. Donc, ça veut dire que, quelque part, on n'a pas besoin d'être ce que les gens disent là pour pouvoir être quelqu'un de bien, entouré de personnes qu'il faut, ressources, pour pouvoir donner un résultat. Continue, pardon, mon frère Zoko. Excuse-moi, mais il fallait que je... Globalement, Fidel Castro a instauré une gouvernance qui a permis à la population cubaine globalement de satisfaire les besoins essentiels. Contrairement à la propagande, globalement, la population arrivait à satisfaire les besoins essentiels. Maintenant, si on veut évaluer l'économie en termes de multinationales, superpuissances avec des gros budgets, si on veut évaluer le bien-être des gens en termes de grosses fortunes, évidemment, si on regarde les choses dans ce angle-là, on va dire que Cuba n'est pas une économie florissante parce qu'il n'y avait pas de grosses fortunes, il n'y avait pas des gens qui ont des monopoles ici, qui ont des grosses propriétés, des jets privés. Voilà. Mm-hmm. Si on veut raisonner forcément comme les Occidentaux, comme la manipulation occidentale, mais on a des arguments pour dire que non, Cuba, la gestion de Cuba, la gestion de Castro, ce n'est pas extraordinaire. Mais en termes de satisfaction des besoins essentiels du plus grand nombre, de la plus grande partie de la population, on peut dire que Fidel Castro a réussi. Il a quand même pu, sous sa gouvernance, bien administrer l'économie globale de son pays. Et il n'était pas économiste. Mmh. Voilà, bon. Prenons l'exemple de Sankara, Thomas Sankara. Mmh. Mais signalons que Thomas Sankara, c'est un capitaine, un jeune officier de l'armée,
Il a été formé à Madagascar. Il n'a pas été formé à l'extérieur. Il n'a fait aucune école occidentale, à part quelques stages de pratique. Voilà. Il est venu. Mais souvent, ce qu'on ne dit pas de Sankara, Sankara, je crois que il a pris le pouvoir, si je ne me trompe pas, hein, dans les années 80. Voilà. Laissez-moi vérifier un peu rapidement sur Google. Entre 1983 et 1984, Thomas Sankara a pris le pouvoir. Un simple capitaine. Mais qu'est-ce qu'il nous a donné de voir? Un, comme le dit Boakye, il avait l'amour de son pays, le patriotisme. Et ça, tous les témoignages crédibles vont le dire, vont l'attester. On a vu en Sankara quelqu'un qui avait l'amour de son pays. Vous pouvez dire qu'il a été maladroit, mais vous pouvez difficilement contester le fait que c'est quelqu'un qui a aimé son pays. Bon. Et puis, côté empathie, il avait l'empathie, de l'empathie pour le peuple. C'est comme ça qu'on formule, non? De J'ai beaucoup l'empathie d'empathie pour le peuple. pour le peuple, pour les gens simples, pour tout le monde, pour la population. Il avait cette empathie-là. Et puis, il avait la volonté politique. Donc, quel que soit ce qu'on peut dire de Sankara, quels sont les faits? Après 4 ans passés au pouvoir, de 83 à 87, regardez le petit bilan de Sankara. Il a élargi la couverture vaccinale. La couverture vaccinale, elle avait presque atteint 80%. Un record, je vous les gars, En ne Afrique. faisons pas la fine bouche. Un record, parce que on a des pays qui sont alimentés par des crédits des institutions internationales pour faire des programmes élargis de vaccination. En Côte d'Ivoire, il y a le PEV, Programme élargi de vaccination, financé, lourdement financé. Mais le petit capitaine, là, c'est que les gens oublient de dire, on va dire que oui, il parlait comme ça, c'était un amateur en économie, mais regardez ce qu'il a fait. Il a étendu la couverture vaccinale. Il a atteint l'autosuffisance. Là, les gens ne le disent pas. Je me suis renseigné. Il a atteint l'autosuffisance. Parce que l'économie, c'est quoi? Affecter les ressources aux besoins. C'est ce qu'elle entend. Faire en sorte qu'avec l'argent disponible, les gens puissent satisfaire les besoins. Et le premier besoin, c'est quoi? Faut C'est ce manger. qu'elle entend dans ton assiette. Qu'un jeune capitaine prenne la tête de l'État et en 3 ans parvienne à l'autosuffisance, mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Citez-moi le nom d'économistes qui ont pris la tête des États africains et qui sont parvenus à l'autosuffisance. Et jusqu'à aujourd'hui, la marque de Sankara, là, ça continue à être visible sur le Burkinabé. Bon, c'est vrai que le djihadisme a tout gâté. Le djihadisme a tout gâté. Mais Merci moi, j'ai discuté avec un Ivoirien qui vit au Burkina depuis 8 ans. Il m'a dit, mais mon gars, bon, je mets de côté les changements, les bouleversements dus aux terroristes. Hein. Voilà. Avant que tout cela n'arrive, ces bouleversements dus au terrorisme. Ce frère qui vit au Burkina depuis 8 ans, il m'a dit, mais mon frère Zoku, au Burkina ici, là, on ne connaît pas poulet des chairs. J'ai dit, ah bon? Il dit, non, 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 non. Ça peut exister, hein, mais c'est très rare, de temps en temps, une fois comme ça. J'ai dit, mais comment? Il dit, non, les Burkinabés sont nourris du point de vue des protéines, des volailles, par la production locale. J'ai dit, ah bon? Il m'a dit, oui. Il dit, oui, voilà la différence entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. Il dit, en Côte d'Ivoire, l'État est riche, mais les citoyens n'ont rien. La plupart louent maison. Il dit, mais au Burkina, l'État n'a pas de grands moyens, mais le commerce est entre les mains des nationaux. Tu peux pas voir quelqu'un qui loue maison à 40 ans. Il n'y en a pas beaucoup. Tu es mal vu. Donc, il y a les stigmates de l'effet Sankara. Ce n'était pas Et un économiste. le changement du pays, le nom du pays, ça s'appelait la Haute-Volta. La Sankara, Haute-Volta. un nom que eux-mêmes ils ont choisi. Le pays des hommes, Voilà. ils ont choisi eux-mêmes le Burkina Voilà. Faso. Et aujourd'hui, quand on parle de ça, c'est avec fierté, c'est avec dignité, c'est avec honneur. Et c'est de ça qu'il s'agit. Ils ont choisi un nom eux-mêmes. Donc, du coup, ça a forcément bloqué, même sur le plan ésotérique, spirituel et tout ça, beaucoup de choses, la mainmise même du colon sur ce pays-là. Ils sont devenus beaucoup plus indépendants.
sur ce plan-là, c'est Compaoré qui a gâté tout en gardant quand même les liens et tout ça. Puis quand on parle de terrorisme, le terrorisme, ce n'est que des mercenaires qui sont venus empêcher justement la politique de Sankara de continuer à se développer et puis de montrer un exemple aux autres pays africains. Parce que les gens n'en parlent pas assez de ce problème-là. Ceux qu'on dit terroristes, là, ce ne sont que des mercenaires qui viennent... Attention, ne nous éloignons pas trop. Ce sont que des mercenaires qui viennent embrouiller les gens pour empêcher le développement économique. Donc, quelque part, Sankara, il a fait ce qu'il fallait faire sur le plan de l'économie, malgré que ce n'était pas un économiste, qui a voilà. fait que il a pris une trajectoire que Blaise Compaoré a gâté après. Il est revenu faire comme en Côte d'Ivoire, en fait. Copier les mêmes choses de Côte d'Ivoire. Sinon, au départ, ils étaient bien partis pour s'en sortir. Voilà. Donc, pour le jeune Bois Kouassi, le fait qu'il ait atteint l'autosuffisance, c'est ça témoigne du fait qu'il a bien géré l'économie. Voilà. Parce qu'on cherche l'argent, là, c'est pourquoi ? Pour pouvoir manger à sa faim, c'est l'une des premières priorités. Le fait qu'on ne sait pas comment ici est pris, mais le fait qu'il ait œuvré et a atteint ce niveau-là, on peut dire que son bilan sur le plan économique, on peut lui accorder quand même un mérite sur le plan économique. Alors qu'il n'était pas économiste. Voilà. Il était, comme le dit Bois Kouassi, il était nationaliste, l'amour de la patrie, l'empathie pour les classes populaires, les gens simples, et la volonté. Voilà. Maintenant, quand on parle de Sankara, qu'est-ce qu'on dit? Mais il était présenté comme quelqu'un qui était un boulimique de savoir. C'est quelqu'un qui aime lire, qui aime apprendre. C'est pour dire quoi? Pour revenir sur ce qu'on dit. C'est pas seulement les diplômes. Non. Non. Mais, et puis même si on fait une petite digression, la meilleure formation dans la vie, là, c'est la formation qu'on se donne à soi-même. Parce que tu vas à l'école, là, mais on peut dire que mais tu bosses pour avoir les notes. Alors que quelqu'un, il n'est pas sous la pression de notes, il n'a pas d'examen en fin d'année, mais il est conscient qu'il doit apprendre tel. Et puis lui-même, il s'y met, il contacte les gens, il se fait expliquer les choses. Voilà. En fait, il faut que nous, les Africains, on comprenne. C'est ça qui compte. D'abord, le projet qu'on a, l'envie de servir pour son pays, de poser qu'on a, et puis la faculté qu'on a à apprendre, à se former. Mais qu'est-ce qu'il a dit de Fidel Castro? Ben, on dit que ne faut pas t'hasarder à une discussion avec Fidel Castro. Les journalistes, là, c'est des journalistes, c'est des gens qui ont étudié la science politique, les relations. Mais il ne faut pas venir dans l'esprit de venir mettre Fidel Castro en défi. Ben, il va te ridiculiser. Son niveau de culture générale, on dit son niveau de culture générale, m'ont dit, mais ça faisait de Fidel Castro un redoutable débatteur. Mm-hmm. Mais vous allez débattre face aux journalistes, mais vous n'allez pas parler que du droit. Vous allez parler des relations internationales, de la situation de tel pays, de l'écologie, du changement climatique. Mais on dit, non, il ne faut pas t'amuser. On dit, mais tu t'amuses à venir à une interview sans préparation devant Fidel Castro, mais tu vas te mordre les doigts. Alors que les interviews de journalistes, ça ne se cantonne pas à un seul domaine. Ça, on lui demande son point de vue sur toutes les situations qui se posent comme problème. Problème de chômage, problème de, comment on appelle, la course aux armements, problème d'écologie, la couche de l'ozone qui se détruit. Quand un journaliste est face à un président, il est susceptible de demander son avis sur tous ces problèmes-là. Il faut des gens cultivés. Ça veut dire que le diplôme, le titre, ça ne suffit pas. C'est la formation que tu te donnes toi-même. En observant, en voyageant, en écoutant, et puis le jugement. Il faut avoir un bon jugement des situations. Voilà ce qui s'est passé. Bon, maintenant, quand on parle des économistes qui vont venir redresser les économies, des économistes, rappelez-vous, il y a eu une vague de conférences nationales en Afrique. Il y a eu une vague de conférences nationales et l'une des premières conférences nationales qui s'était déroulée, c'était au Bénin. Il a fait la conférence nationale, était au Bénin, et à l'issue de la conférence nationale avait désigné un premier ministre, Nicéphore Soglo, mais qui avait un bon CV, quelqu'un qui a travaillé dans les grandes institutions financières, économiste, au parcours académique brillant. Et après, Soglo lui-même, il s'est présenté, il s'est fait élire président. Mais il
n'a pas pu se faire réélire. Il n'a pas, mais lui, c'était un économiste. Bon, je suppose que s'il avait redressé les problèmes économiques, il avait trouvé du travail à tout le monde, il avait résolu les problèmes d'alimentation de la population, et il avait résolu le niveau de vie et tout. Je suppose que si il avait permis au Bénin de faire un bon, on l'aurait réélu. Pourquoi on ne l'a pas réélu? Pourtant, c'était un économiste. Voilà. Tu la merde. Voilà, choisi avec le consensus. Après, quand Toumani Touré a pris le pouvoir et il a chassé Moussa Traoré, il a fait appel à un autre technocrate. On parlait des technocrates. Soumano Sako. Bon CV. Bon cursus universitaire. Expertise en institution internationale. Mais est-ce que depuis ce temps-là, jusqu'à ce que le Mali passe entre les mains à nouveau de Toumani Touré, et après, Alpha, avant lui, Alpha Konaré, bon, maintenant, Assimi Goïta, tout ce temps-là, qu'est-ce que ce Alpha Condé, non, Alpha Condé, c'est en Guinée, Alpha Konaré, il dit Konaré. Alpha Konaré, voilà. Voilà, donc, après le passage de ce technocrate-là, au moment où Toumani prenait le pouvoir pour la première fois. Mais je n'ai jamais entendu quelque chose qui parle de ce qu'il a laissé comme trace, lui l'économiste. Globalement, le Mali est toujours resté le Mali avec les mêmes indicateurs qu'on trouve dans le Sahel, paupérisation, faiblesse des infrastructures, tout. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on apprend? Paradoxalement, sorti de l'embargo, mais il est dit que le Mali est le pays le plus solvable de l'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui. Sous quel magistère? Sous le magistère d'Assimi Goïta. Colonel de force spéciale. Ça veut dire que si tu déposes Goïta devant moi, mais je vais le paniquer en économie. Alors que moi-même, là, je ne connais pas l'économie. Mais comme je suppose que pendant que lui guerroyait là-bas, moi, j'ai eu le temps de lire quelques livres, je vais inquiéter Goïta. Mais c'est pendant que lui il a la tête que le Mali devient solvable. Économiquement, c'est dû à quoi? Sans doute que c'est dû à Choguel Maïga, parce que Goïta ne fait pas la politique, c'est Choguel même qui gère. Mais Choguel même, là, quelle est sa formation? C'est un ingénieur de télécommunication, docteur ingénieur. Quand je me suis renseigné, mais comment Choguel a fait? On dit, mais il s'est entouré de compétences. Il a de la jugeote. La bonne personne à la bonne place. Il a recruté des gens pour faire le travail. Il a donné le cap. Et même des économistes non maliens sont venus apporter leur concours. Et aujourd'hui, on dit, mais le Mali a équilibré ses comptes. Oui. Même notre Mamadou National est parti là-bas pour participer. Voilà. Voilà un exemple. Un soldat, un tueur de djihadistes, un zagazagaïste, c'est-à-dire qu'un gars de force, un commando. Et c'est sous lui que les comptes du Mali sont redressés. C'est pour dire que tout ne se trouve pas dans le diplôme, mais dans ta détermination, dans ton patriotisme, dans ta volonté, dans ton bon sens, dans ta sagesse, dans ta capacité à motiver les compétences vers un but. Parce que eux, ils ont la compétence, mais c'est toi qui donnes l'orientation. C'est ça le problème. Oui, eux, ils ont la compétence. Mais c'est toi qui donnes l'orientation. Si tu lui dis, bon, moi, je veux que ce que tu as appris, fais pour que ça crée des industries. Mais lui, il va réfléchir dedans. Après, tu l'appelles, bon, je veux, il y a trop d'industries, arrête. Fais pour que ça crée, ça développe l'agriculture. C'est l'orientation. C'est l'orientation. Toi, tu n'as jamais fait l'économie, mais tu écoutes des gens, tu écoutes des doyens, tu écoutes 1, 2, 3, 4, 5 personnes. Bon. Ce que les cinq ont dit là, quel est le point commun? Au moins tu t'appuies là-dessus. C'est le bon sens. Ouais. Qu'est-ce qui revient dans les paroles de tout le monde? Ah, ce côté-là, chaque fois ça revient. Ah, donc ça doit être ça. Hé, viens ici. Bon, il faut faire comme ça. Allez, vas-y. Tu as besoin de combien? J'ai besoin de ça, de ça, de ça. Tu as besoin de quoi encore? Oui. Bon, il nous faut un spécialiste en microfinance. Est-ce qu'il y en a? Non, il n'y en a pas. Mais où on peut en trouver? Bon, j'ai appris qu'il y a un Malien là qui s'est exilé quelque part en Norvège. Voilà, c'est lui qui a conçu tel projet pour tel pays. Va le chercher, il n'a qu'à venir travailler ici. Tu veux combien? Il gagne combien? Et puis le gars travaille. Tu en plus, ici. Il n'a qu'à venir.
C'est pas une affaire d'économiste. Voilà. Bon. Kadhafi lui-même, le colonel Mouammar Kadhafi, comment il arrive au pouvoir? Par coup d'État. Révolution. Il renverse le roi Idriss en 1969. Mmh. Il arrive un militaire. Mais c'est sous sa gouvernance qu'on a découvert l'un des systèmes d'assistance sociale les plus perfectionnés au monde. Mmh. En Libye, l'eau, c'est presque gratuit. Presque tout le monde est propriétaire de maison. À l'époque de... On ne loue pas maison. Mmh. Les citoyens obtiennent du crédit sans intérêt. Mmh. Dès que tu es marié, sur présentation du carnet de famille, on vous donne un crédit. Mmh. Crédit, là, c'est quoi? Crédit parce que tu viens de te marier, tu as crédit. Tous ceux qui veulent suivre des formations, si la filière n'existe pas au pays, gratuitement, si tu as les notes, on te donne boost, tu t'en vas te former ailleurs. Ouais. Mais Kadhafi, là, ce n'est qu'un colonel. Mais je fais une parenthèse, n'écoutez pas la propagande. Kadhafi, ce n'est pas un homme sans instruction, non. Il a fait du... J'ai suivi un peu ces trucs-là. Il a une formation en droit. Mais regardez, quelqu'un qui a fait une formation militaire et puis, je crois, du droit. Bon, je mets le droit de côté. Je ne suis pas sûr de mes souvenirs. Mm-hmm. Un gars militaire, mais regardez le système. Mais ne voyez pas Kadhafi comme quelqu'un qui est venu par la faute. Non, Kadhafi, il a pensé le système-là. Il a écrit ses consignes dans un livre. Ça s'appelle le livre vert de la révolution. Et tout ce qu'il fait là, ça suit le schéma qui a été tracé dans ce livre-là. Donc, il a pensé un projet et puis il a exécuté. Ne pensez pas que tout ce qu'il a fait là, c'est systématiquement dû à la manne pétrolière. Non, non, non. C'est la manne pétrolière. Mais comment il a géré? Voilà. Il a géré ça selon un système bien pensé. Voilà. Parce que ailleurs là, il y a manne pétrolière. Mais pourquoi il n'y a pas le même système social qu'en Libye? Pourquoi c'est seulement en Libye, on attend que dès que tu es marié, tu as droit à un crédit, tu as droit à un appartement. Dès que tu entends... Bon, dans les autres pays arabes où il y a pétrole, là, on n'a jamais entendu ça. Ouais. S'il y avait ce même système-là, on allait entendre, puisque ces pays-là sont partenaires des États-Unis et les États-Unis maîtrisent les grandes chaînes d'information. Donc, on allait faire leur propagande puisque c'est des alliés des Américains. Mmh. Si on ne parle pas de ça, c'est qu'il n'y en a pas là-bas. C'est vrai, il y a l'argent, mais il n'y a pas ce système d'assistance sociale là. Il faut que les gens sachent que ce n'est pas seulement la manne pétrolière. Non, ça a été fait avec la manne pétrolière, mais dans une démarche qui a été pensée. De redistribution. Un système qui a été pensé et... C'est écrit dans le livre qu'on appelle le livre vert. Donc, quand tu arrives en Libye, là, quand tu es dans le gouvernement, là, prends le livre, voilà ta feuille route, pour savoir dans quel esprit le pays évolue. Mmh. Un autre exemple de quelqu'un qui a bien géré l'économie de son pays sans être économiste. Voilà, on a des exemples à foison. Maintenant, on parle de la Chine. Mmh. Mmh. On a parlé de Mao, mmh, qui a fait la révolution culturelle, qui a reformaté la mentalité du Chinois. Mmh. Et aujourd'hui, on parle de, comment on appelle, l'économie. De l'ascension de la Chine. Mmh. L'économie chinoise, le raz de marée de la Chine. Du monde. Mmh. Avant, ce qui vient de Chine, on appelait ça Chine Tok. Mais aujourd'hui, les produits chinois viennent rivaliser sur les produits locaux, sur leur propre territoire. Mm-hmm. Moi, il n'y a pas longtemps, en France ici, Huawei était le leader des ventes de smartphones ici en France. Ouais. Les fabricants français, Alcatel et quoi, ils ont disparu, on n'entend plus parler d'eux. Ouais. Mais ce réveil économique de la Chine, là, d'après les renseignements que j'ai pris, mais l'artisan de ce boom économique-là, il s'appelle Wu Xintao, quelqu'un qui a dirigé la Chine, voilà, dans les années, voilà, avant Xi Jinping, là, c'est lui qui a dirigé la Chine, mais c'est pas un économiste, c'est un ingénieur hydrologue.
Mais il a mis les bases du réveil il a mis les bases de l'envol de l'économie chinoise. Mais c'est un ingénieur. Il a dirigé la Chine de 2003 à 2013. Mais comment il s'y est appris? C'est pas un économiste, mais c'est lui qui a créé l'envol économique. Pourquoi? Sans doute qu'il était patriote. Et puis, il avait un idéal. Il avait un projet positif, un projet pour changer la condition du peuple. Selon les enseignements que j'ai eus, c'est lui qui a l'initiative des 7 banques chinoises qui ont financé les PME et qui ont créé l'envol de la Chine. Parce que beaucoup de personnes ont des projets. Même Bois Kwasi qui est là, si on peut prendre une hache, c'est pour plaisanter un peu, casser sa tête, ouvrir, vous allez voir des projets qui dorment, qui sont en train de pourrir. Pourquoi ça pourrit? Il souffre, il n'y a pas de financement. Quand même, vous n'allez pas lui dire de prendre son salaire pour financer. Non, un salaire, ce n'est pas un financement. Mais où il va avoir le financement? Quelles sont les banques qui vont lui accorder un financement facile? Donc, c'est Hu Jintao là, c'est sous lui qu'on a créé des banques chinoises pour prêter aux Chinois à des conditions faciles, à des taux faciles. Avec la monnaie avec des facilités de remboursement faciles. C'est comme ça qu'ils ont pu lancer leurs affaires. Mais pourquoi il a eu cette pensée-là? Mais c'est dû à son nationalisme. Parce que, c'est-à-dire, quand on veut, on trouve. Quand on veut, je vais vous donner un exemple. Les grands coureurs de jupons, là, Amilcar Cabral, qui nous regarde, il n'est pas un coureur de jupons, mais il connaît beaucoup de coureurs de jupons. Il va témoigner. Les grands coureurs de jupons, là, il s'est dit que quoi? Je vais lui dire quelque chose, il va croire. Non, même quand on l'a vu quelque part, mais devant sa go, mais il a la volonté, il a mis son esprit dans l'état que non, forcément il va trouver la solution, comme Bohiri. Et quand il arrive devant l'état, mais sur le sens, son subconscient crée une histoire et puis elle avale et puis il avance. Pourquoi? Parce que il a la volonté de créer quelque chose. Et son esprit lui trouve quelque chose. Donc c'est comme ça, les Hu Jintao, là, ils avaient la volonté de changer la condition financière de leur pays. Avec cette volonté, ce nationalisme-là, mais ça te fait trouver des choses. Mais quand tu es là, tu es un père de famille, c'est dur, il n'y a pas à manger. Mais tu vas courir, tu vas trouver quelque chose. Tu vas créer parce que tu te dis que tu n'as pas le choix. Il faut que tu crées, mais... Quand tu dis il faut que tu crées, mais ton subconscient active et trouve quelque chose. Donc, pour revenir à ce que Bois Kwasi disait, ne nous enfermons pas dans les schémas. Il est diplômé, donc il va faire. Mais s'il n'est pas habité par le même amour, par le même patriotisme, c'est pas si sûr. Donc, tenons compte de ça. Voilà l'exemple de Hu Jintao. Selon les renseignements qu'on a pris, est l'un des artisans de l'envol économique de la Chine. Voilà, Bois Kwasi, ce que je pouvais dire à mon niveau. Il n'y a pas que ça. Il y a le Venezuela, il y a Maduro, qui est un chauffeur de bus. Oui. Bon, Hugo Chavez, je ne connais pas bien son parcours, mais je crois que c'est un officier de l'armée. Voilà. Mais on peut dire qu'il a un bon bilan économique. Parce que, c'est vrai, sous son mandat, il y avait la manne pétrolière. Voilà. Il y a eu la manne pétrolière. Mais il a formé les ingénieurs. Donc, mondialement, les pétrochimistes vénézuéliens, mais ils sont connus dans le monde. Il a fait une bonne politique de formation. Et puis, une bonne gestion de la manne pétrolière. Il a bien géré. Donc, ça lui a donné de la force pour contredire les présidents américains. Parce qu'il faut être sûr de quelque chose. Hein. On ne peut pas contredire durablement un gouvernement américain si on n'a pas des finances solides, à mon avis. Les BFM vont vous faire croire le contraire. Oh, là-bas, l'économie est comme... Non, si économiquement, tu n'es pas fort, là, tu ne peux pas tenir tête à Washington. Ça, c'est mon point de vue. Hein. Mm-hmm. Parce que si tu n'as pas des appuis de là où ils sont, avec leur réseau et leur connexion mondiale, ils ont tous les moyens de te chicoter. Ouais. Donc, dites-vous
que tous ceux qui ont pu tenir tête à l'Amérique, là, économiquement, là, ils ont été un peu solides quand même. Ils avaient les reins solides, ouais. Ils avaient les reins solides. Ils avaient des soupapes de sécurité, ils avaient des punaises secours tout prêts. Parce que ces gars-là, dès que tu les aimes, ils vont te mettre un embargo, ils vont te mettre... Non voilà. Donc, c'est que tu sais comment tu vas rebondir. Pour contredire Washington, tu as les moyens, tu as les alliances stratégiques. Toi, voilà. Voilà, voilà. Financièrement, tu es assis. Donc, on a vu que Hugo Chavez, El Comandante, c'était pas un démocrate, mais quand même, il a pu maintenir l'économie. Parce qu'il avait besoin de démocratie. Voilà. Et Nicolas Maduro, chauffeur de taxi, autodidacte, il est venu. Mais globalement, voilà, chauffeur de bus, merci pour la précision. Chauffeur de bus qui s'est formé, qui a pris des cours de sciences politiques. Mais globalement, bon, est-ce que vous entendez encore parler de Venezuela dans les actualités? Ils ont c'est fini. L'OTAN a perdu là-bas encore. Déstabilisation qu'ils avaient fait là. Et puis remarquez, hein, ces causeries là, c'est des occasions pour vous amener à faire des petites observations. Hein. C'est l'occasion pour vous amener à faire des petites observations. Quand ils ont tenté une déstabilisation et qu'ils n'ont pas pu, arrivé un moment, silence radio, on ne parle plus de vous, on passe à autre chose. Exemple, Bachar. Qui sait comment Bachar vit, où il déjeune, où il dort, on ne parle plus de lui. Alors qu'à un moment là, à chaque édition de journal, ça commence par Bachar. Si ça ne commence pas par Bachar, ça finit par Bachar. Bachar a fait ça. Oh, regardez ce qu'il vient de faire. Oh, on a oublié Bachar. Il va tomber coûte que coûte. Comme Kadhafi, il va finir. Bachar, il va finir à la CPI. Bachar, il va finir comme Kadhafi. Bachar. Les Russes ont nettoyé le coin là-bas. Ils ont enlevé tous les mercenaires là, qu'on appelle djihadistes et Daesh et consorts et tout ça. Les gars de l'OTAN, là, ils ne parlent plus aujourd'hui. Bachar, voilà. Donc, Bachar, il a continué sa vie. Voilà globalement ce qu'on pouvait dire et je laisse la parole à Bois Kouassi s'il a des choses à. Il y a Lula du Brésil. Il faut qu'on donne des exemples. Il y a Lula du Brésil. Lula, je ne connais pas bien sa formation et son parcours. Donc toi-même, là, tu as l'occasion même, si possible, de nous édifier. Il y a Lula, je ne connais pas trop aussi son truc, mais c'est pas il n'est pas dans le. Qu'appelle ça dans le schéma de comme M. Ouattara et consorts, il n'est pas dans ce schéma-là. C'est quelqu'un qui vient d'une autre institution. Mais par contre, je peux parler de Jimmy Carter aux États-Unis. Oui. Jimmy Carter était un vendeur d'arachide. Il avait des terres et puis maintenant, il faisait pousser l'arachide aux États-Unis. Vous avez vu quand l'Américain, tout ce qu'il mange là, c'est pain avec pâte d'arachide. Ils appellent ça leur sandwich, machin, peanut butter. C'est comme ça qu'ils appellent ça. Mais Jimmy Carter, ce n'était pas un gars qui... Non, c'était un paysan qui faisait les trucs d'arachide, là, les champs d'arachide. Et lui, là, il s'est intéressé à la politique. Il est venu devenir président. Il a appris ce qu'il fallait faire pour avoir les rouages, machin, truc de gouvernant. En étant, je crois, gouverneur, il a commencé gouverneur. Puis après, maintenant, il est parti à la présidence. Donc, ce n'est pas forcément... On vous dit ça aujourd'hui parce qu'il y a un vent qui souffle sur l'Afrique. À ça, c'est indéniable. Et c'est inarrêtable. On ne pourra plus, ça ne va plus s'arrêter, ça va continuer. Jusqu'à ce qu'il y ait les bonnes personnes à la bonne place. Mais il faut que les gens qui nous regardent, qui nous écoutent, puissent comprendre vraiment les enjeux de demain. L'Afrique est le continent qui est le plus, c'est-à-dire le plus propice à faire des richesses demain. Vraiment, l'Afrique est l'avenir, comme on dit actuellement. Tout le monde tremble dessus. C'est pour ça que les gens là sont en train de trucs. Mais si dans les pays africains, là, on n'a pas des gens comme les Assimi Goïta, les Traoré, des gens qui ont de la poigne, des gens qui ont l'amour de leur pays, de leur population, des gens qui ont l'amour de l'Afrique pour pouvoir mettre d'abord en priorité les intérêts supérieurs des Africains, on est mort. Parce qu'on aura des gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont venir, ils vont regarder, ils vont former quelques Africains là à certains métiers, à certains trucs, et puis maintenant ils vont appeler les investisseurs étrangers pour venir maintenant financer des projets et puis maintenant faire travailler ces gens-là dans nos pays. Et puis eux maintenant, ceux qui viennent de l'étranger, ils vont se faire des bénéfices de 1000%, 2000% sur nos populations encore. Alors que nous, aujourd'hui, là, on dit que ça doit faire un chemin inverse. C'est nous, nos populations, on doit les former
On doit faire en sorte que toi qui viens de l'étranger avec tes connaissances, tu vas faire en sorte que ceux-là deviennent très riches. Et maintenant, quand ils seront très riches, ils vont maintenant faire en sorte que le développement, là, ça va contaminer d'autres et d'autres et d'autres et d'autres et grandir. Nous aussi, maintenant, on va s'arrêter pour dire on va investir aux États-Unis, on va investir en France, on va investir en Russie, on va investir dans d'autres coins aussi parce que chez nous, là-bas, chez nous ici, ça va. C'est plus le système de forcément les gens vont venir investir chez nous. Parce qu'ils nous font croire que seuls les investissements de l'extérieur vont pouvoir nous faire développer. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il faut qu'on prenne conscience que tout peut commencer dans le sens inverse. C'est chez nous d'abord, nos richesses, parce que c'est nous qui avons les matières premières, on a tout. On dit oui, on n'a pas les usines dessus, mais les usines, là, on peut les acheter. Les usines, on peut échanger, on peut faire des deals pour avoir un truc, et puis maintenant, acheter, qu'appelle ça, le savoir aussi, ça s'achète. Hein. Les gars, il faut plus qu'on se laisse avoir par ce gotha mondial des affaires et de la finance qui pense que c'est toujours eux. Le Fonds monétaire international, FMI et le Club de Paris et tous ces gars, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Hein. C'est les gars, ils sont assis là, ils ont l'argent dans leur compte et puis maintenant, ils envoient dans un coin, allez, travaillez pour nous. Les bénéfices, on mange et puis maintenant, quand on a fini, si on va ailleurs. Non, maintenant, il est grand temps que chez nous, nos populations, sous l'impulsion de vrais chefs d'État, de vrais guides, ils puissent maintenant avoir l'opportunité de s'enrichir sur leur terre, de commercer, surtout dans l'Afrique, même. Rien que dans l'Afrique. Parce qu'on n'en parle pas beaucoup, hein, mais le commerce interafricain peut rendre les gens très riches. Mais ils ont fait en sorte que, par exemple, le CFA qu'on dépense dans la zone de Côte d'Ivoire, c'est le CFA qu'on ne peut pas dépenser au Cameroun. Donc, ça nous bloque dans les échanges. Les gars sont dans nos affaires partout, ils nous bloquent. Mais pourquoi? Est-ce qu'on est obligé de faire ça? On peut s'asseoir entre nous puis créer notre coup. Rien ne va nous bloquer, les frontières seront ouvertes, comme l'Europe le fait. Ils ont leur euro, et puis maintenant, ils commercent, ils font leur truc tranquille. Pourquoi chez nous, on ne peut pas faire pareil? C'est chez nous, on va avoir frontières, machin, tout. On est bloqué, puis maintenant nos transactions sont bloquées parce que la monnaie d'ici, c'est... Non, c'est trop compliqué. Les gars, il faut qu'on change de paradigme, il faut qu'on change de façon de faire, il faut qu'on change nos dirigeants. Les gens qui veulent prendre les rênes de nos gouvernances, là, il faut que ce soit des patriotes, il faut que ce soit des panafricanistes, il faut que ce soit des gars qui sont prêts à travailler et surtout à galvaniser la jeunesse et tous les gens, nos richesses, là. Humaines, en ressources humaines, plus nos richesses en ressources minières et consorts et tout ça, de faire tout. C'est ça, on dit, soit là à l'école. Ils n'ont pas nous prouver qu'ils sont forts pour pouvoir bien mettre tout ça ensemble et faire fonctionner. Et puis laisser les gens de l'extérieur là, tranquilles. Eux aussi n'ont qu'à nous laisser tranquilles. On va se retrouver d'abord nous. Et quand on sera bien maintenant, on va voir maintenant si on peut appeler quelqu'un. C'est de ça qu'il s'agit. C'est dans ce combat-là que nous sommes. Même nous avons des gens, c'est des plus malins. Ils vont venir nous blaguer ici. Ouais, même chose. Carnet d'adresse, connaissance, beau gosse ou bien belle go, ou bien ceci, cela, descendant de temps en temps, ou bien descendant, etc. Ils vont venir encore se placer pour faire les mêmes choses que les autres avant, mais avec un nom différent. Parce que l'esclavage, ça a cessé, c'est devenu travail forcé. Travail forcé a cessé, ils ont changé pour devenir colonisation. Colonisation a changé, c'est devenu domination. Domination a changé, c'est devenu coopération. Et c'est comme ça toujours. Et à la fin, c'est toujours les populations qui souffrent. Toujours avec une élite qui est au pouvoir, qui mange bien, et puis ils passent maintenant le flambeau à leur enfant. Où on arrive aujourd'hui, là, ce n'est plus une affaire comme ça. C'est une affaire de maintenant, on va tout changer. Comme les gens nous ont montré, et que c'est possible, comme la Chine l'a fait, l'Afrique aussi le fera. Voilà, Maître Dogou. Vraiment, merci. Mm-hmm. Qu'est-ce que je retiens de ce que tu as dit? C'est d'abord la fibre patriotique, la fibre nationaliste. Voilà, je retiens de ce que tu dis. Une exhortation à changer les critères, changer nos critères de choix de ceux qui vont nous gouverner. Une invitation à ne plus se laisser enfermer ou à ne plus se laisser distraire par un certain discours. Tel est économiste, donc il va relever. Tel est de la haute finance, donc il va relever le pays. Parce que quand même, Ouattara, rappelons-nous, qu'est-ce qu'on n'a pas dit dessus? Ouattara, PhD. Mais qui n'est qu'un certain doctorat, mais dans le contexte américain. Voilà. Et même, quand j'avais pris des renseignements, au-delà même de Ouattara, mais il y avait plein de PhD dans différents domaines. Yeah. Au FPI, même, il y avait un qui s'appelait Bois et Oui, mais il avait PhD. Moi-même, dans ma formation, mes professeurs, là, il y avait au moins 3-4 PhD. Donc, le plus important, c'est la fibre nationaliste des gens qui vont venir mettre en confiance nos entrepreneurs locaux. Vous voyez? Bon, pour faire une petite digression,
On parlait de bon sens, de jugement, de discernement. Bon, il y avait quelqu'un qui s'appelait Kassoum Koulibaly. Il a été un des dignitaires du PDCI. Je crois que c'est l'un des premiers qui a lancé les cars climatisés, cars vidéo. On parlait des cars, bon, tu te rappelles? Des cars avions. C'était un grand, voilà, c'était un grand homme d'affaires, mm-hmm. Kassoum Koulibaly. Il était analphabète. Mm-hmm. Il a même dirigé la MATCA, la mutuelle abidjanaise des taxes, la mutuelle des taxis compteurs d'Abidjan. Il a même dirigé ça. Mais c'était un analphabète, il était député à l'Assemblée nationale. Il a monté des sociétés, et même une fois là, il était même, il a même rencontré des investisseurs chinois, et je ne sais pas s'il a pu le faire. Il devait monter une usine de fabrication de papier. Oui. C'est un analphabète. Mais comment est-ce que il a pu être à la tête du conseil d'administration de la MATCA? Il n'a pas forcé, non, mais il a été porté là-bas par un genre de consensus. Mais c'est ses compétences économiques. Mais on va se poser la question, mais c'est un analphabète. Bon, il n'est pas dans les notions de PIB, produit national brut, produit intérieur brut, mesures structurelles, mesures d'ajustement, conditions, tant. Mais il gère ces trucs avec le bon sens. Ouais. Voilà. Maintenant, le bon sens, là. Il y a le bon sens, le jugement, la juste perception de la situation. Ça fait partie du bon sens. Voilà. Parce que quelqu'un peut être figé dans les recettes passées alors que le contexte a changé, mais il est encore dans d'autres schémas. Ça, ce n'est pas le bon sens. Il y a le schéma actuel. On a besoin de quelqu'un, de nationaliste, qui va mettre les gens au travail. Mais c'est lui, on n'a pas besoin d'un économiste, mais de quelqu'un qui va mettre les économistes au travail. Mm-hmm. En fait, c'est surtout ça. Voilà. C'est quelqu'un qui va les mettre au travail pour créer ce qu'il faut au pays, là. Mm-hmm. On va lui donner des ordres, mon ami. Voilà, les jeunes ne travaillent pas. Mm-hmm. Quelle politique tu vas mettre pour que eux tous, là, ils travaillent? Regarde, voilà, toutes les terres, là, c'est des terres cultivables. Comment se fait-il que tous les jeunes veulent venir en ville alors qu'il y a des terres cultivables? Comment tu peux résoudre ça? Vas-y, on t'écoute. Oui. Qu'est-ce qui va intéresser les jeunes à retourner à la terre? Parce que, je donne l'exemple, quand on fait le classement des milliardaires africains, mm-hmm. on se rend compte que les Nigériens occupent beaucoup de place dans ce classement-là. Mm-hmm. Les premières places de ce classement-là, il n'y a même pas de francophones dedans, ou bien très peu. Il n'y a pas de francophones, c'est que des anglophones. Les 11 premiers, c'est que des anglophones. Voilà, mais je me suis renseigné, on m'a fait comprendre que c'est dû à quelque chose. On dit que c'est Obasanjo. Quand il est arrivé au pouvoir, il s'est dit, jusqu'à ce qu'il parte, il va faire émerger 50 milliardaires nigériens en dollars. Il s'est donné cet objectif-là. Mm-hmm. À la fin de son mandat, il n'a pas pu atteindre les 50 milliardaires, mais au moins une bonne quinzaine a pu émerger. Mais c'est déjà quelque chose. Mais c'est dans ce lot-là que se trouvent les Dangote. Mais on dit que Dangote, aujourd'hui, mais on dit qu'il ne peut rien refuser à Obasanjo. Bon, voilà. Obasanjo lui-même, il a l'argent, donc c'est pas Dangote. C'est pas l'argent qu'il va demander à Dangote. Peut-être c'est des services d'une autre nature. Mais Obasanjo... Milliards en dollars, Syriac. Milliards en dollars. Voilà. Pas milliards en CFA. Voilà. Obasanjo, quand il arrivait, mais c'était un militaire. Mais il avait déjà... Il était déjà dans le business, dans l'élevage, ses parents avaient des terres, donc déjà, il était déjà initié au business. Mais sa fonction essentielle, c'est une fonction d'officier de l'armée. Voilà. Et regardez ce qu'il animait. Il faut que je fasse émerger des milliardaires, regardez. C'est pas à lui, il pense, hein. Alors que les autres, quand ils arrivent au pouvoir, là, c'est le contraire. Il ne faut pas que quelqu'un émerge, sinon il va financer les opposants, ils vont me faire partie. Voilà. Mais lui, c'est le contraire. Il faut que je fasse émerger des milliardaires. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand il y a des appels d'offres, par exemple, on dit il y a un projet de construction de telle autoroute à Ibadan. On lance appel d'offres. Bon, les gens, les entreprises viennent. Tu as les entreprises locales, tu as les multinationales qui viennent. Et puis, on dit voilà les conditions, voilà le financement. Et puis chacun vient présenter son plan. Et
Son plan, c'est disponibilité. On dit que, évidemment, les multinationales ont plus de moyens, plus d'expertise que les entreprises locales. On dit que qu'est-ce que Obasanjo faisait? Vous, les locaux qui êtes venus vous présenter là, il vous prend à côté, il dit, bon, vous êtes face à des multinationales. Est-ce que vous ne pouvez pas vous regrouper? Comme ça, financièrement, ça va faire. Parce qu'il y a des investissements là. Celui, le soumissionnaire, c'est-à-dire celui qui s'est présenté à l'appel d'offres, il y a des cas où lui-même, sur fonds propres, il lance ses premiers travaux et puis après, les crédits vont venir. Alors que les locaux, ils ne sont pas de grande taille. Donc, Obasanjo leur disait, non, rassemblez-vous. Si vous n'avez pas toutes les expertises, parce que si, par exemple, celui qui doit venir construire l'autoroute dont on parle, il doit avoir tel nombre d'expertises. On lui demande, par exemple, quatre genres d'expertise. Il n'a pas les quatre, il a les trois. Et puis, à côté, il y a un, la quatrième expertise, là, lui, là, mais les deux premiers, il n'a pas. Obasanjo lui dit, bon, mettez-vous ensemble, de sorte que, en vous mettant ensemble, tous les critères soient remplis. Et puis, allez demander crédit à la banque, à une banque nigériane. Moi, la présidente, je vais vous avaliser. C'est comme ça que les entrepreneurs nigériens ont eu des marchés. Mais si tu n'as pas de marché, comment tu vas développer l'expertise? Voilà. C'est comme quelqu'un qui vient chercher travail, on dit qu'il faut avoir l'expérience. Donnez-lui le marché, il va faire peut-être le premier qu'il va faire là, il va bâcler. Deuxième, il va améliorer. Mais c'est comme ça qu'on développe l'expertise. En même temps, il développe le managering et le comment on appelle? Le sens, ça se dit non, managering. Managering, oui, ça se dit. Il développe la gestion des sociétés, des hommes, et puis il crée de grandes entreprises. On dit que c'est de là que sont sortis les Dangote, il y a une femme là qui est là, c'est de là qu'ils sont sortis. Et puis en plus, mais c'est un militaire, c'est pas un économiste, c'est un militaire qui a créé cette classe d'hommes d'affaires prospères et influents partout. Et même, ils ont même géré leur propre monnaie. Voilà. De Naira. Dont on n'a jamais entendu qu'il était en difficulté notable. Voilà. Quand le Naira est en difficulté, c'est le même genre de difficulté instable que la livre rencontre, que le dollar. Il ne rencontre pas plus de difficultés que les autres monnaies. Voilà. Mais Obasanjo, ce n'est pas un économiste. C'est un militaire. Mais qui peut se vanter d'avoir fait ce que Obasanjo a fait? Faire émerger au moins 15 milliardaires en dollars. Voilà. Qui? Dès que les francophones arrivent au pouvoir, là, au contraire, c'est d'empêcher l'émergence de quelqu'un qui n'est pas dans leur clan. D'ailleurs, même, quelquefois même, là, il n'y a pas à faire des clans. Personne ne doit avoir plus d'argent que lui, parce qu'il voit ça en menace pour son pouvoir. Voilà. Donc, ça revient à ce qu'on a dit. Il faut du nationalisme. Il faut du nationalisme. Et puis après, ce que toi, tu ne maîtrises pas comme notion, mais tu peux t'entourer des gens qui maîtrisent. Mais tu donnes l'orientation. Ouais. Les plus riches aux États-Unis. Pas forcément un économiste, mais quelqu'un qui fait travailler les économistes. Il faut qu'on comprenne ça. Les plus riches, là, la plupart n'ont pas de grands diplômes, hein, mais ils emploient ceux qui ont le plus de diplômes. Les plus riches, là, ils emploient ceux qui ont le plus de diplômes, et puis eux-mêmes n'ont pas de diplôme. Ils n'ont pas de diplôme vraiment supérieur pour dire que oui, ils ont fait des grandes études à Harvard et machin et tout ça. Donc, mais moi, je me suis renseigné il y a une année. On interrogeait la plus grosse fortune de la Norvège. Oui. Bon, je peux me tromper, mais en tout cas, la plus grosse fortune d'un pays scandinave. Oui, c'est bien la Norvège. À une époque donnée, et qu'on lui posait des questions. Oui, comment on peut devenir homme d'affaires prospère? Comment on peut devenir... Et on lui demandait son point de vue, mais je vais vous choquer. Mais... Écoutez, prenez ce que je dis là avec des pincettes, relativisez, mais je vais quand même vous choquer. Il dit, mais pour être un grand homme d'affaires et puis réussir ses investissements, être prospère, il dit, la première des conditions, il ne faut pas être allé loin dans les études. On dit, quoi? Il dit, oui. Parce, il dit, ces gens-là raisonnent trop. Est-ce que, et s'il fait ça, est-ce que ça va? Il dit, non, il faut prendre des risques. Bon, on ne va pas suivre à 100% tout ce qu'il dit, mais c'est pour dire que la formation, la meilleure des formations, c'est la formation qu'on se donne à soi-même
en plus de la formation scolaire. Mmh. Voilà. Parce que la formation scolaire, elle va te donner les bases théoriques, Mmh. mais elle ne va pas te dire comment avoir du flair pour repérer un faux partenaire d'affaires. Ouais. C'est toi, ton observation, ton écoute des gens, de l'expérience des gens. Voilà. Donc, quand les gens ramènent tout au cursus scolaire, mais j'ai dit qu'ils veulent nous amener dans le trou. Je n'ai pas dit, soyons clairs, on n'a pas dit que c'est inutile d'aller à l'école. Non. Il y a certains niveaux d'expertise qui ne peuvent pas s'acquérir en dehors de l'école. Certains, on ne précise pas toutes. Par exemple, dis-moi comment tu peux être médecin si tu n'as pas fait faculté de médecine? Parce qu'un médecin, il est différent d'un guérisseur. Ouais. Dis-moi comment tu peux faire être avocat si tu n'as pas fait la faculté de droit? Parce que même si tu es autodidacte, ça sera toujours incomplet tant que tu ne suis pas le circuit. Voilà. Il y a certains trucs pour lesquels il faut forcément un diplôme. Par exemple, être un informaticien, il faut être passé par une école. Voilà. Ce que tu vas apprendre en autodidacte là, mais ça ne sera jamais à la hauteur de ce que l'ingénieur en informatique. Voilà. Mais dans le domaine des affaires et dans le domaine de la capacité à fructifier l'argent, moi je pense que ce domaine-là, il est un peu flexible. Il n'est pas régi de façon rigide par l'obtention des diplômes. C'est ce que moi je pense. Et comme tu le dis, les hommes d'affaires les plus brillants, ce n'est pas forcément les plus diplômés. Si tu, je suis sûr que si tu attrapes Donald Trump et puis tu regardes son CV, il est allé à l'école, mais parmi ses pairs chefs d'entreprise, ce n'est pas celui qui soit le plus diplômé. En tout cas, même Voilà. c'est les gars qui travaillent pour lui, ils sont plus doués que lui. Voilà. Donc, il faut qu'on comprenne, il y a l'intelligence de l'argent. Il y a des gens qui ont le diplôme, mais ils n'ont pas l'intelligence de l'argent. Il y a des gens qui ont l'intelligence de l'argent, qui n'ont pas le diplôme. Il y a des gens qui ont le diplôme et en même temps, ils ont l'intelligence de l'argent. Ils ont les deux à la fois. Il faut qu'on comprenne, hein, chaque domaine-là, chaque domaine nécessite des dispositions particulières. Je fais une petite digression pour m'expliquer. Quand tu prends Lionel Messi, il a cette disposition en lui. On ne peut pas dire que c'est Pep Guardiola qui lui a appris à dribbler. Non, peut-être Pep lui a appris à bien se placer. Mais l'instant, l'inspiration de l'instant pour dribbler, là, ça est dans son corps. On ne peut pas dire qu'on lui a appris ça. Ouais. Les scientifiques, ils ont décortiqué ces ralentis et ils ont appelé ça appui multiple. Mais qui n'a pas vu? Tout le monde a visionné, mais allez faire la même chose que lui. Mais vous ne pouvez pas. Il y a une affaire d'instinct dans son corps, je ne sais pas. Parce que tous les Robben, tous les Ribéry, tous les autres dribbleurs, ils n'ont pas dit qu'ils n'ont pas vu les documentaires qui ont décomposé les séquences à ralenti, comment ils appellent ça, la palette. Ils ont tous vu, mais ils ne vont pas reproduire la même chose. Ils ne pourront pas. Donc, il y a la disposition. Et dans les dispositions, il y a l'intelligence de l'argent. Ça, peut-être que beaucoup de djoulas l'ont. Il y a l'intelligence du savoir parler. Ça, Blé Goudé, lui, il l'a. Chaque domaine, il y a. Voilà. Donc, affaire d'argent, là. Comment on crée la richesse, là? C'est une affaire de don aussi. Ce n'est pas seulement le diplôme. Tu vois? Parce que moi, qu'est-ce que j'appelle un bon homme d'affaires? C'est une petite digression. L'homme d'affaires, là, c'est quelqu'un qui sait comment on multiplie l'argent. C'est ça, l'homme d'affaires. Peu importe le domaine. À partir d'un montant X, il peut te faire des calculs, des investissements, tout en plaçant un produit qui satisfait tel besoin, ça va lui rapporter ça va multiplier l'argent. Il y a le don, il y a l'intelligence de ça. Ça s'appelle l'intelligence financière. Peut-être que nous, les Ivoiriens, on ne l'a pas encore par rapport aux anglophones. Donc, cette même intelligence financière-là, il y a cette disposition à l'échelle d'une entreprise, à l'échelle d'une région. Mais on peut élargir ça à l'échelle d'un pays aussi. Nation, ouais. Donc, quelqu'un qui a fait le bon apprentissage, même sur le tas, mais à la longue, il peut être équipé pour gérer les finances d'un pays, même s'il n'a jamais fait d'études d'économie. Il peut sentir le coup. Bon, vous là, venez, mettez l'argent là ici. Voilà. Et puis appelez les gens qui ont fait Et les l'école, ils spécialistes vont faire le travail. maintenant Mettez gérer ça ça. ici. Ou bien il prend ici. Bon, voilà. Bon, créer une loi pour dire qu'à partir de maintenant, là, tous ceux qui veulent acquérir ça, diminuer les impôts comme ça va les encourager à. L'argent va venir ici. Et puis, une fois que l'argent est là-bas, bon, allez appeler les masseurs là. Maintenant, ils vont faire la comptabilité. Moi, je ne sais pas comment on fait compte. Eux, ils vont faire. Mais mettez l'argent là-bas. Et puis, appelez-les, ils vont pousser.
Voilà. Il y a un don, il y a une intelligence de l'argent que tout le monde n'a pas. Et même il y a des gens, peut-être, hein, qui ont cette intelligence intuitive de fructification de l'argent. Là. Il y a des gens qui ont peut-être ça mieux qu'Alassane Ouattara. Mais comme ils n'ont pas PhD et ils n'ont pas un réseau derrière eux pour faire la propagande de l'homme, on ne va jamais les voir. Ouais. Bon, bon, voici. Moi, je pense qu'on a trop bavardé. Moi-même, je suis fatigué. Ouais. Toi aussi, ne me laisse pas, ne me laisse pas seul. Vas-y. Et puis après, tu appelles ceux qui nous écoutent. On l'a fini aujourd'hui. C'était toi qui étais à l'honneur. Alors, moi, je veux remercier les gens qui étaient là, qui ont partagé, qui ont mis des likes, tout ça là, parce que demain, on a encore un autre live assez dangereux à faire. Donc, je remercie tout le monde. On va s'arrêter là aujourd'hui. Et puis, on se retrouve demain dans une autre vidéo. Peace.